Bonjour à tout le monde, merci d'être là avec moi pour cette deuxième série de cours cette année. Vous devez penser que j'adore multiplier les cours dans l'année, mais en fait j'ai décidé d'échanger un tout petit peu le calendrier. Donc en fait, nous sommes bien dans la série 2019 et il n'y aura pas de cours en février 2019 ou février-mars comme j'ai fait d'habitude. Et cette fois-ci, je n'ai pas résisté à la possibilité de choisir un sujet qui me tient à cœur et qui, j'espère, va vous intéresser et qui intéresse de plus en plus, j'espère, le monde sur cette planète. Et donc, c'est la biodiversité. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une spécialiste de la biodiversité du sens écologique. Je suis quand même généticienne, épigénéticienne, mais je me suis dit que depuis le temps que je fais mes cours et les gens me posent toujours la question, et l'environnement, alors c'est quoi l'épigénétique si ce n'est pas l'environnement? Donc j'ai décidé de me replonger dans le sens de l'épigénétique qui a le lien avec l'environnement. Et donc, du coup, ça me met bien au milieu de ce que c'est la biodiversité, vous allez voir. C'est aussi par un peu conscience, effectivement, pas politique, mais civile, que j'ai décidé de choisir ce sujet. Alors, je dois dire quand même, préparer deux séries de cours en une année, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je me suis lancée et j'ai réalisé que finalement, il n'y a pas tant de mécanismes moléculaires que ça dans ce que je vais vous raconter, en tout cas aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était un peu déstabilisant parce que, étant généticienne, j'aime bien rentrer dans les mécanismes, mais bon, néanmoins, je pense que, j'espère, je vais vous faire une sorte de panoramique des systèmes, des organismes que les gens commencent les gens étudient, et donc les possibilités maintenant avec les nouvelles technologies et les approches pour vraiment attaquer les questions des bases moléculaires de la biodiversité. Bon, je vais commencer. Et je commence avec cette dernière paragraphe ou partie de paragraphe de Darwin dans l'origine des espèces que je trouve absolument magnifique. Je l'ai mis en anglais et je l'ai mis aussi en français. Je ne vais pas vous le lire, mais en tout cas, il parle de cette tangled bank, de ce rivage luxuriant tapissé de nombreuses plantes appartenant à de nombreuses espèces, avec des oiseaux qui chantent, les insectes variés qui voltigent ça et là, la terre humide, donc la vie intense, et avec la bataille pour survivre, et donc la base de ces lois, la loi de la sélection naturelle dont il a parlé, la loi effectivement où la question des origines des espèces. Et en commençant avec ça, c'est bien pour montrer à quel point cette diversité d'espèces et d'organismes est importante. Et beaucoup de gens le remarquent maintenant. Combien de fois vous voyez, en ouvrant la fenêtre, les moineaux, tout un tas de mouches et moucherons différents. Je me souviens, moi, petite, même à Londres, on avait souvent trop de bêtes. En fait, ça nous embêtait. Et maintenant, il n'y a plus. Enfin, il y a très, très peu. Et ça va à une vitesse incroyable. Donc voilà, l'ouverture, c'est quand même par Darwin. Et vous allez voir, pendant toute cette série de cours, je vais revenir très souvent à Darwin. Donc, je commence en définissant un tout petit peu ce que je veux dire par la biodiversité. Je pense que vous imaginez tous, c'est toute la variété de vie sur Terre, toutes les formes et toutes les interactions. Apparemment, c'est un mot qui a été utilisé pour la première fois officiellement en 1985. J'avoue, je n'ai pas vérifié, mais je pensais que c'était un mot qui existe depuis longtemps. Mais en tout cas, on l'utilise pour décrire cette variété sur Terre depuis quelques décennies seulement. C'est aussi une mesure de la santé d'un écosystème de notre planète.
Et il faut souligner que chaque organisme fait partie d'un écosystème, d'un biome aussi on peut l'appeler, qui dépend d'autres organismes et aussi de l'environnement physique. Et donc la biodiversité décrit la variété de cet écosystème en plusieurs termes, en plusieurs niveaux de ressources pour faire vivre les différents organismes, de nombre d'espèces et de nombre d'individus dans les espèces, et en particulier génétiquement et, je vais dire, épigénétiquement, les variétés au sein d'une espèce. Donc c'est à toutes ces échelles, en fait, que la biodiversité a sa place. Enfin, toutes ces échelles ont leur place dans la biodiversité. Et un point très important, c'est cette diversité d'un écosystème est absolument essentielle pour sa survie. Donc pour que, à la suite d'une catastrophe telle qu'une famine, une sécheresse, une épidémie, pour éviter la perte de cet écosystème, il faut cette diversité. Et ce n'est pas juste la diversité des organismes, des espèces, c'est aussi cette diversité génétique. Et donc, vous le savez, je pense, toutes les espèces sont faites d'individus. Donc, à l'exception des clones, et on a souvent parlé des clones dans mes cours, on va reparler parce que c'est des individus qui sont génétiquement presque identiques, donc comme les jumeaux. Mais c'est quand même assez rare, en tout cas chez l'humain, mais dans d'autres espèces, on les trouve, et je vais revenir sur ça pendant ce cours. Mais mis à part les clones, tous les individus d'une espèce ont une combinaison unique de gènes ou de variants de gènes. Nous avons tous les mêmes gènes dans notre génome ici, dans cette salle. Par contre, nous avons tous des combinaisons de variants de ces gènes qui sont différentes. Donc nous sommes tous uniques et dans la plupart des populations, effectivement, ça, c'est le cas. Donc le problème, si on perd la moitié des individus d'une espèce, on a encore l'espèce, mais on a perdu la moitié de sa diversité génétique. Et cette diversité génétique, ces combinaisons uniques, on ne les retrouvera jamais. Et en fait, c'est la base, la source une partie de la source de la sélection naturelle et l'évolution, etc. Donc c'est très important, effectivement, quand on réduit une espèce à quelques individus, on ne l'a pas perdue, mais on a quand même beaucoup perdu déjà. Donc voilà, pour moi, la biodiversité peut être la diversité au sein d'un individu. Vous allez voir ça surtout la semaine prochaine. Je vais beaucoup parler de cette biodiversité au sein d'un individu. Ça peut être au niveau de ses propres cellules ou ça peut être aussi au niveau de l'écosystème qu'il porte, comme chez nous, les humains. Nous avons des cellules qui diffèrent, même si c'est les mêmes types de cellules, mais il y a une biodiversité liée à l'épigénétique. Et nous portons aussi sur nous et dans nous tout un tas de bactéries, un microbiome absolument énorme et complexe. Donc, au sein d'un individu, quelle est la biodiversité? Au sein d'une espèce, et je vais parler surtout de ça aujourd'hui, la différence entre individus au sein d'une espèce, qui n'est pas que génétique, vous allez voir, entre espèces, et c'est surtout cette entre-espèces qui est souvent liée avec la biodiversité. Je vais parler un peu de ça lors du dernier cours, quand on va parler de la spéciation, justement, et dans le contexte de l'évolution. Et bien sûr, au sein des écosystèmes. Et donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas écologiste, mais tout ce que je vais dire doit être, bien sûr, considéré comme étant la vie au sein d'un écosystème. Donc, je fais la justification sur le pourquoi j'ai choisi cette thématique. Donc, ici, vous voyez un récif de corail. Et donc, comme je l'ai dit, la biodiversité se trouve à tous ces différents niveaux, les gènes, les espèces, les populations, les individus au sein des populations, les communautés des créatures et des écosystèmes entiers comme les forêts et les récifs comme celui-ci. Et donc, c'est là où la vie peut se poursuivre en interagissant avec l'environnement physique. Et donc, ces interactions ont fait que notre planète est habitable depuis des milliards et des milliards d'années.
Et on doit aussi considérer que cette biodiversité représente toute, on va dire, la connaissance au cours de l'évolution sur des millions d'années. Donc, chaque individu, chaque espèce est l'issue de cet, on peut dire, apprentissage, cette vie, sélection naturelle. Et donc, les conditions environnementales de la Terre, de notre planète, dans chacun des micro-environnements, de chacun des écosystèmes, influencent la manière que cet écosystème a évolué. Donc, c'est une connaissance des organismes sur cette Terre. Et donc, il y a cette notion qui maintenant est souvent utilisée dans la littérature, que nous sommes en train de brûler la librairie de la vie. En fait, avec toute la destruction des écosystèmes qui sont en cours, les destructions massives, la déforestation, la destruction des récifs de corail, la pollution qu'on trouve en mer, dans les lacs, dans les rivières, bien sûr le changement climatique et tout un tas d'autres effets humains sont en train de générer une crise qui est totalement hors comparaison. Et très récemment, il y a eu le rapport du World Wildlife Fund, Living Planet Report, qui décrit ça très bien. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, c'est disponible online. Et voilà, là-dedans, vous pouvez voir l'étendue de la catastrophe. En 2010, il y a eu un premier sommet qui a essayé de capter le degré de la catastrophe et de mettre en place des mesures. Chaque pays qui a participé a accepté de mettre en place des mesures pour préserver la biodiversité. Je pense qu'en France, le choix de l'animal symbolique qui était l'ours. Mais en fait, on réalise que les choses sont beaucoup, beaucoup trop, sont allées beaucoup trop loin. Et donc ici, quelques chiffres. Le nombre d'animaux qui vivent sur Terre a diminué, on pense peut-être par moitié, depuis 1970. Nous avons perdu 75% de cette diversité génétique dont je parlais, dans tout ce qui est l'agriculture. Nous avons aussi totalement utilisé ou surexploité 75% des poissons dans nos océans pour tout ce qui est notre nutrition. Un tiers ou plus des récifs ont été soit détruits complètement ou sont en cours de destruction. Et la déforestation des forêts tropicales en particulier, nous pensons, pourrait compter jusqu'à 100 espèces perdues par jour. Et donc, on est actuellement en train... Il y a des papiers, j'ai failli vous faire tout un bilan, mais on parle de la sixième extinction en masse de notre planète qui est, bien sûr, générée par nous, l'homme. Et donc ici, vous ne voyez rien, mais c'est les quatre chapitres de ce rapport qui soulèvent le pourquoi la biodiversité est importante. Évidemment, nous ne pourrions pas être là en train de se voir avec la lumière, de s'habituer, de s'alimenter si on n'avait pas une biodiversité. Toute notre vie dépend de cette biodiversité. Aussi nos luxes sont totalement dépendants de cette biodiversité. Et bien sûr, la santé aussi est très dépendante de cette biodiversité. Et ici, je vous montre une carte. Et c'est la partie que je trouve la plus effrayante en très court terme. C'est les maladies émergentes dans différentes parties du monde parce que nous sommes en train de déstabiliser ces écosystèmes. Et nous avons une réduction de la biodiversité qui va conduire à des épidémies de différentes sortes. Et dans cette carte, vous pouvez voir le pourquoi.
pour chacune de ces épidémies, que ce soit Ebola, le SARS, il y a des bons critères de perturbation des écosystèmes pour que ces choses puissent arriver et encore plus souvent. Donc voilà, il faut y songer. Et donc, même si les pertes sont déjà énormes, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore trop tard pour réverser cette tendance. Ici, je vous montre une photographe d'une région au Brésil. C'est le photographe Sebastião Salgado. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le sel de la terre, un film magnifique. Et il montre comment, après avoir toutes ces décennies où il était photographe des choses parfois les plus effrayantes que l'humain peut faire à d'autres humains, il a décidé de photographier les animaux et il a décidé aussi, il le dit dans le film, pas pour se soigner, mais pour se soulager de tout ce qu'il a vécu et vu, il a décidé de replanter la ferme ou le terrain, la forêt, qui était une forêt de son père, qui a été totalement détruite, déforestée, pour justement avoir les animaux, les vaches, etc. Et c'était en 2000, voilà une photo de la ferme avec l'environnement. Il n'y avait plus d'eau, plus de ruisseaux, plus d'écosystèmes, enfin quasiment. Et juste en 13 ans, il a réussi à replanter toute la région. Il a même, avec sa femme, ils ont mis en place une sorte d'institut où, en fait, il cultivait aussi, où il faisait grandir une sorte de pépinière pour des arbres et des plantes qu'il donnait à tous les voisins. Et donc, ils ont réussi à reconstituer un écosystème. Évidemment, ce n'est pas le même qu'avant, pas exactement. Vous aviez bien compris, si on réduit à très peu ou à zéro, ben, on n'aura pas les mêmes gènes, on n'aura pas exactement la même combinaison, mais quand même, il y a maintenant des rivières, de l'eau qui coule, et puis tout un tas d'animaux différents. Donc on peut réverser, et dans certaines régions, comme le Brésil, en 13 ans, on peut réverser cette tendance avec ce qui se passe actuellement politiquement. On va voir comment les choses continuent, mais bon, en tout cas, c'était une bonne nouvelle à l'époque. Et voilà, ça je trouve c'est magnifique. Comment dans nos mers où effectivement les récifs de corail sont totalement détruits, comment on peut reconstituer un récif artificiellement? Donc ça a été fait plusieurs fois. Et ça c'est lequel le plus récent que j'ai vu aux infos, c'est au Liban où ils ont pris des tanks qu'ils ont resubmergés dans l'eau et ça c'est pas le même tank, ça n'a pas eu le temps. Mais ça, voilà, en fait on peut reconstituer un écosystème dans les océans. Donc on peut faire ça, mais ça ne suffit pas si on n'arrive pas à réverser cette tendance accélérée que nous avons à tout détruire. Et donc moi, je ne suis qu'une scientifique, et la science, c'est l'économie des connaissances. Et avec la compréhension des êtres vivants sur Terre, avec une compréhension de comment ces êtres vivent ensemble et avec dans un environnement. J'espère que ce n'est pas trop tard pour peut-être faire comprendre et comprendre plus comment on peut sauver la situation et puis découvrir aussi cette magnifique beauté sur notre planète. Et donc, c'est une citation que moi j'ai trouvée dans un document du National Academy of Sciences. J'ai vu la même citation récemment, dite par quelqu'un d'autre lors de ce rapport que je vous avais décrit. Donc, je ne sais pas d'où vient vraiment cette citation, mais en tout cas, je pense qu'elle est vraie. Nous sommes les premières générations des scientifiques avec les outils pour vraiment décrire et comprendre les dimensions de la biodiversité sur Terre. Mais malheureusement, nous sommes peut-être la dernière génération avec l'opportunité de le découvrir et avant que ça soit totalement changé ou perdu. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ces thématiques. Et voilà les quatre cours cette année. Le premier cours aujourd'hui va être donc la biodiversité au sein d'une espèce, comment on peut avoir à partir de un génotype, plusieurs phénotypes. Bien sûr, comme je l'ai dit, dans la plupart des espèces, les individus ne sont pas identiques génétiquement.
Mais nous réalisons maintenant que ce n'est pas que génétique, il y a aussi des différences épigénétiques, et je vais vous montrer quelques exemples très dramatiques de ces différences. Et donc, le deuxième cours va être plus sur la diversité au sein d'un individu. Donc, comment un individu peut effectivement exprimer différents gènes à dans différentes cellules. Ça peut être au sein d'un organisme ou ça peut être une population de bactéries aussi. Et puis, le troisième cours va être effectivement l'influence de l'environnement sur les mécanismes épigénétiques et leur éventuelle transmission, soit à travers des divisions cellulaires, soit à travers les générations. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés par cette possibilité de pouvoir transmettre de l'information autre que l'ADN d'une génération à l'autre. Et dans beaucoup d'espèces, c'est clairement quelque chose qui peut avoir lieu. Le dernier cours, en décembre, ça sera le rôle de l'épigénétique dans la plasticité phénotypique et l'évolution des réponses adaptatives. Et après ce cours, il y aura un séminaire par un très grand scientifique amateur de la biodiversité, de l'évolution, Sean Carroll, et puis un très grand écrivain. Je ne sais pas si vous avez lu des livres de Sean Carroll. Il est aussi très amateur de la France. Il aime beaucoup la France, et donc il viendra pour quelques jours. Et il va parler surtout un petit peu de sa recherche, que je trouve passionnante. Actuellement, il travaille sur les serpents et les formes différentes de serpents dans un endroit des États-Unis. Et est-ce que c'est une diversité génétique ou épigénétique ou autre? Donc, j'espère qu'il va pouvoir parler un petit peu de ça. Et puis, surtout de ce livre qui retrace un petit peu les histoires de Darwin, le Beagle et puis d'autres. Donc, je vous encourage de le lire si ça vous intéresse, mais en tout cas de venir l'écouter à la suite de mon dernier cours. Donc voilà, je commence en vous montrant ici juste quelques exemples d'organismes où à chaque fois je vous montre des individus qui ont clairement des phénotypes très différents. Ici, c'est des petites daphnées, des écrevisses. Des crustacés, voilà, des crustacés. Enfin, j'ai du mal aujourd'hui avec mon français, excusez-moi. Et puis, il y a des papillons, des scarabées, des poissons, différents types d'amphibiens, et puis des fourmis, des plantes, des foxes, renards, voilà. Et vous voyez à chaque fois que les deux exemples sont très différents. Mais dans la plupart des cas, ils sont génétiquement identiques. Donc, comment on arrive à avoir des phénotypes aussi différents avec le même génotype? Et dans tous ces cas, ces différences sont induites par des changements environnementaux qui peuvent avoir lieu soit avant le développement, soit pendant ou soit après. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, il y en a tellement, et il y en a tellement où on ne comprend pas les bases moléculaires, que j'ai décidé juste de faire mes choix à moi. Donc, je suis désolée s'il y a des gens ici qui auraient bien aimé avoir plus sur, je ne sais pas, les plantes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des plantes, mais un autre jour, je le ferai. Voilà. Mais donc, voilà, je voulais quand même commencer. Je me suis dit, si je commence à parler de l'épigénétique, il y a des gens ici qui n'ont pas encore écouté des cours avec moi. Je voulais quand même mettre les bases parce que c'est un mot qui évoque beaucoup de choses différentes à différentes personnes. Donc, je reviens sur la définition de Waddington qu'il a proposée en 1942. C'est lui qui a inventé le mot épigénétique dans le sens epigenetics, la discipline. Et étant embryologiste et généticien, et à l'époque, donc au début du XXe siècle, les généticiens commençaient à vraiment prendre de l'ampleur avec leurs expériences suite à la redécouverte des règles, des lois de Mendel. Mais il y avait aussi les embryologistes qui étaient en train d'étudier la mise en place, l'épigénèse des êtres vivants de toutes sortes.
Et Waddington était un de ces rares scientifiques qui faisait les deux, et en plus être philosophe, écrivain, artiste, etc. Et il a voulu lier les deux domaines, la génétique et la biologie du développement, l'embryogenèse, l'épigénèse, en faisant cette fusion entre les deux mots. Et donc, c'était l'étude des mécanismes du développement par laquelle les gènes portent des effets phénotypiques ou mettent en place les changements phénotypiques, des changements de caractère ou de morphologie. Et donc, il voulait établir la relation causale entre le génotype, les gènes qui sont hérités par chaque individu de leurs parents, et le phénotype, afin de comprendre comment le développement se déroule à partir d'un œuf fécondé jusqu'à un organisme complexe avec une ligne germinale, dans les cas des individus de reproduction sexuée. Et donc, il avait aussi évoqué le mot épigénotype, qui était les processus qui liaient le génotype et le phénotype. Alors aujourd'hui, cette définition pourrait être l'équivalent à ce qu'on appelle la génétique du développement. Donc ceux qui font le développement en étudiant les gènes impliqués et en faisant la génétique pour comprendre comment le développement se met en place, finalement, la définition de Waddington est peut-être ça, plus qu'autre chose. Même si c'est très rare que les biologistes du développement utilisent le mot épigénétique et ils ne l'ont jamais fait, en fait. Et du coup, dans les années 70-80, et j'ai souvent évoqué ça dans mes cours, donc je suis désolée pour ceux qui ont déjà écouté ça, je reviens avec les mêmes choses, mais c'était pour bien définir les termes, pour vous montrer qu'après toutes ces définitions, finalement, on revient à la définition de Waddington. Mais en tout cas, c'était Holliday et Riggs qui, en étudiant une marque épigénétique, la méthylation, ont réalisé que cette modification chimique de l'ADN, qui ne change pas la séquence de l'ADN, mais qui simplement le modifie, pourrait modifier sa lecture, sa manière d'être reconnue, donc la manière que les gènes sont activés ou pas. Et ils ont proposé que peut-être ce type de modification pourrait induire des changements héritables, qu'à travers des divisions cellulaires, la méthylation pourrait être mémorisée et donc garder une identité cellulaire. Et donc, du coup, ils ont utilisé le mot épigénétique dans ce sens, le sens de changements qui sont héritables, que ce soit au cours des divisions cellulaires, donc mitotiques, la mitose, ou à travers les générations même, méotiques, qui peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes ou sur la fonction des gènes, mais qui n'implique pas un changement dans la séquence de l'ADN. Donc, le même gène peut être actif ou inactif, sa séquence d'ADN est totalement identique, mais il est différent dans son expression parce qu'il y a peut-être des changements épigénétiques comme la méthylation de l'ADN. Et ça, c'était une définition qui, finalement, a pris beaucoup plus d'ampleur et qui a plu, parce que c'était un moment où on commençait à découvrir des phénomènes où on ne pouvait pas tout expliquer simplement par la séquence de l'ADN et les gènes. Donc, c'était, je dirais, la définition dans laquelle moi-même je suis rentrée dans les années 90. Cette définition d'épigénétique qui est plus, on va dire, moléculaire et chromosomale, donc comment les chromosomes sont pliés, comment les changements de leur repliement sont propagés, plus que cette définition développementale qu'avait Waddington. Et alors, aujourd'hui, on est allé encore plus loin. Maintenant, cette histoire d'héritabilité, parfois, on ne peut pas vraiment dire si c'est héritable ou pas. Donc, finalement, tout est épigénétique, si c'est juste la chromatine, si c'est les changements au niveau des chromosomes qui affectent les fonctions du génome, on peut appeler ça épigénétique. Alors, il y a des discussions sans fin sur est-ce que ça c'est toute la chromatine épigénétique ou pas. Et puis, il y a aussi cette notion de l'environnement qui revient encore et encore, où les gens disent, mais finalement, tous les changements d'expression des gènes ou de changements phénotypiques qui sont induits par l'environnement pourraient être épigénétiques. Si on ne peut pas dire que l'ADN a changé, pourquoi pas dire que c'est épigénétique, donc moléculaire, les changements moléculaires ou physiologiques. Et donc, pour moi, enfin, je pensais que c'était plus juste la régulation des gènes. On n'a pas besoin d'évoquer l'épigénétique pour un changement d'une expression d'un gène, quand on, par exemple, quand on déclenche
quand on fait une injection des hormones, il y a certains gènes qui vont s'activer. Pour moi, ça, c'est l'activation des gènes. Ce n'est pas forcément épigénétique. Mais quand même, ce sens de l'environnement, et Waddington avait bien parlé aussi de cet aspect environnemental. Et je vais revenir sur ça. Mais avant que je vais trop loin, je voulais quand même juste vous rappeler. Donc, par rapport au changement épigénétique, dans chaque organisme, l'idée, c'est que nous avons le même génome quasiment dans toutes nos cellules. Mais avec un génome, on peut avoir plusieurs types cellulaires, plusieurs identités cellulaires, et avec plusieurs épigénomes. Comment on déclenche ça au cours du développement? On pense que tout d'abord, il s'agit des changements d'activation ou de répression des gènes. Donc, il y a des gènes montrés ici. Ça, c'est les petits carrés en couleur. Et donc, les facteurs de transcription, qui sont des protéines qui sont déjà présentes, par exemple, dans l'œuf, des protéines qui sont là pour commencer à activer le génome de l'œuf fécondé. Et il y a des voies de signalisation qui peuvent être, par exemple, l'information de position de la cellule, les contacts entre les cellules, les facteurs de croissance, les hormones, etc. Et donc, c'est cette chorégraphie entre les signaux et les facteurs qui sont là qui mettent en place le programme génétique, le programme d'expression des gènes, qui devient progressivement de plus en plus raffiné avec la détermination des cellules et l'identité cellulaire qui est mise en place. Et là où on pensait, avec cette deuxième définition de l'épigénétique, que l'épigénétique venait, c'était dans le verrouillage de ces états. Donc, en fait, une fois qu'on a mis en place une expression de gènes, soit une répression, on peut le figer via des phénomènes épigénétiques qui permettent une héritabilité stable de ces états. Et donc, il y a aussi cette idée de barrière épigénétique. Une fois qu'une cellule a pris une identité, elle ne peut pas juste changer d'identité parce que, en fait, il y a ces barrières de chromatine, par exemple, ces barrières épigénétiques qui empêchent qu'un gène peut se réexprimer de manière anormale. Mais ce n'est pas que la chromatine. On sait aussi qu'il y a certains gènes qui restent actifs ou inactifs. Et on n'a pas forcément besoin d'évoquer des changements épigénétiques de type chromatinien. Ça peut être aussi comment on dit ça en français, feedback loops. Oh là là, voilà, c'est ça, boucle de rétroaction, c'est ça. Ou ça peut être des protéines qui transmettent un état, comme les prions. Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. Je ne vais pas vous raconter tous les différents niveaux aujourd'hui, mais en tout cas, cette héritabilité qui est mise en place peut être assurée. Et donc, ici, je vous montre le cas de la chromatine quand même. Donc, la plupart des gènes qui sont inactivés de manière très permanente au cours du développement sont associés avec, on appelle ça une hétérochromatine, et donc nous avons fait un cours sur ça il y a maintenant 2 ou 3 ans, sur la chromatine en particulier. Donc il y a les facteurs de transcription qui permettent un gène d'être actif et des facteurs chromatiniens qui permettent une ouverture, et puis il y a des facteurs chromatiniens qui permettent une sorte de fermeture de la chromatine et donc un verrouillage de l'état off d'un gène. Et nous connaissons de plus en plus les détails moléculaires de cette chromatine. Il y a les histones, bien sûr, autour duquel l'ADN est embobiné, en tout cas chez les eucaryotes. Et associé à ces histones, il y a des facteurs qui peuvent modifier certains acides aminés. Et cette modification peut attirer tout un tas d'autres protéines. Donc, il y a plusieurs échelles au niveau de la chromatine où on peut assurer une ouverture, une fermeture, qui peut être éventuellement propagé au cours des divisions cellulaires. Mais nous savons aussi qu'on peut altérer ces épigénomes et ces états d'expression des gènes. Donc on sait, par exemple, dans le cancer, qu'on trouve des épigénomes très différents et très remaniés, les génomes aussi, mais les épigénomes aussi, et ça, on a parlé de ça en 2016 pendant mes cours. Donc, il y a des changements au niveau de l'épigénome qui sont déclenchés par l'environnement ou par le stress, l'hypoxie par exemple.
il y a aussi des changements qui apparaissent progressivement avec l'âge, peut-être par accident, parce qu'il n'y a pas une fidélité de propagation de certaines marques. Mais il y a aussi la possibilité, et pas forcément souvent chez les mammifères, mais en tout cas de générer des nouveaux phénotypes à partir d'une cellule, à partir d'un stade, on peut prendre tout un autre trajet, activer différentes parties du génome. Et c'est là où c'est de ça que je vais parler surtout aujourd'hui. Alors nous savons que même chez les cellules chez les mammifères, dans les cellules, on peut faire ce qu'on appelle une transdifférenciation maintenant, où on prend des protéines, des facteurs de transcription d'une cellule, et on peut la forcer de différencier ou de changer d'identité, même sans passer par une division cellulaire. Donc, les gens qui regardent ça se disent, mais en fait, il n'y a pas besoin d'évoquer l'épigénétique ou la chromatine. En fait, c'est que les facteurs de transcription qui gèrent quels sont les gènes activés ou pas. Et les facteurs de transcription, bien sûr, ils vont aller cibler très précisément une séquence d'ADN ou plusieurs qui sont présents à côté des gènes dans le génome. Donc, il y a une précision avec les facteurs de transcription. Mais néanmoins, on pense que ces changements demandent un remaniement de la chromatine. Il faut défaire la chromatine qui est trop compactée, inaccessible. Les facteurs de transcription ne peuvent pas accéder à l'hétérochromatine. Et puis, donc, il faut l'ouvrir. Et il faut fermer la chromatine qui est présente sur un gène qui a été actif. Sinon, il y a un risque que le facteur de transcription va revenir. Donc, il y a toute une dynamique, on va dire, de reprogrammation que nous sommes en train de comprendre, surtout quand on fait les cellules iPS, par exemple. Mais vous allez voir, il y a des conditions ou des états où on ne comprend vraiment pas, même si on voit des phénotypes absolument dramatiques apparaître, on ne sait pas exactement à quel niveau l'épigénome change pour que ça se passe. Et ces nouveaux phénotypes peuvent être adaptatifs, en fait, fonctionnels et utiles. Ils peuvent être ce qu'on appelle inévitables, c'est-à-dire que quand on induit un changement environnemental, on aura toujours le même changement, même si ça peut être neutre, ce n'est pas quelque chose qui est avantageux ou pas, ou ça peut être délétère dans certains cas. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer les signaux. Donc je pense que là, vous avez bien compris de quoi je parlais quand je parle d'héritabilité épigénétique, donc mitotique, à travers les divisions cellulaires, un état de transcription ou de fonction du génome peut être propagé. Et dans ce cas-là, on peut parler de l'épigénétique mitotique. Quand les cellules filles ont le même état d'activité et inactivité. Par contre, on peut avoir aussi les changements qui ne sont pas propagés à travers les divisions cellulaires. Et là, classiquement, on dit que ce n'est pas vraiment de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'un signal peut activer un certain nombre de gènes d'une cellule, mais ça ne veut pas dire que les cellules filles garderont cette mémoire des gènes qui ont été activés. Et à travers les générations, on peut aussi voir qu'effectivement, les changements environnementaux, que ce soit les stress nutritifs ou l'application de certaines toxines ou polluants ou autres, peuvent changer les épigénomes et ces changements peuvent être propagés chez les mammifères en général, pas à travers plus que les premières générations, parce que c'est les générations où le signal a été subi, donc on appelle ça le fondateur, le F0, ensuite propagé à F1, si c'est une souris gestante, par exemple, et puis la lignée germinale du fœtus peut être exposée, donc on peut aller jusqu'à F2. Par contre, on pense que très rapidement, on perd ces changements épigénétiques à travers les générations, parce qu'à chaque cycle de vie, la lignée germinale, chez les mammifères en tout cas, efface la majorité des changements épigénétiques. Donc, on n'a pas beaucoup de cas, on n'a aucun cas où un stress environnemental ou un changement environnemental qui déclenche un changement qu'on voit d'une génération à l'autre est propagé à long terme. Chez les plantes, on voit beaucoup plus de propagation des changements épigénétiques. Aussi, on voit qu'il y a des changements épigénétiques qui sont déclenchés par les stress ou les changements environnementaux, mais on n'a pas encore beaucoup de preuves que c'est les changements environnementaux qui déclenchent les changements qui sont très stables à travers les générations. Bon, je vais revenir sur tous ces points si je vous avais perdu, mais en tout cas, voilà un peu les bases de cette héritabilité. Donc, pour revenir à Waddington,
lui, il n'avait pas vraiment parlé d'héritabilité. Il avait juste parlé de cette association entre le génotype et le phénotype. Et il a fait ce dessin, où je pense que tous ceux qui sont venus à Mexico, il n'y a pas une année où je ne montre pas le paysage de Waddington. Et donc, dans ce paysage, il montre le destin d'une cellule, en fait, qui va prendre une identité différente. Son destin peut être différent si elle traverse telle ou telle partie du paysage. Et ce paysage est fait par ce qu'il appelait les PEGs, les gènes, en fait, qui permettent l'expression des gènes qui permettent de créer un paysage particulier. Donc, chaque cellule aura ce destin et progressivement devient de plus en plus étroit dans ce que peut faire la cellule. Donc, c'est quelque chose qui a été utilisé maintes fois. Donc, quand on change de destin, on réprogramme une cellule, il faut traverser par ces collines. Donc, c'est difficile, il faut dépasser ces barrières, on va dire, épigénétiques. Mais en tout cas, il a parlé dans ses œuvres justement de l'environnement et dans la stratégie des gènes, que c'est le lien avec l'environnement qui permet la cellule d'avoir son destin. Donc l'environnement dans le contexte de l'embryon, c'est l'environnement du gène, ce n'est pas l'environnement forcément de la cellule dans une liquide, etc. Mais il a quand même parlé de l'environnement dans plusieurs contextes, dans ses différents travaux. Et il a proposé qu'en fait, ce paysage est fait, comme je l'ai dit, par des réseaux de gènes. Et vous allez voir que de plus en plus, maintenant, on réalise qu'effectivement, beaucoup de changements phénotypiques, on parle, en fait, il faut étudier toutes les raisons. On ne peut pas juste étudier un ou deux gènes, c'est un réseau de gènes qui peuvent être interdépendants, qui permettent telle ou telle voie d'être prise. Il a aussi évoqué et montré qu'il y a ce qu'on appelle du tamponnage, la canalisation. Jusqu'à un certain point, les variations, que ce soit au niveau du génotype ou au niveau de l'environnement, c'est les signalisations, ne vont pas affecter le destin de la cellule. Et donc, justement, il y a des moyens pour canaliser ces variations pour que les choses ne se passent pas comme il faut. Mais vous allez voir, il y a des exemples où clairement, cette canalisation est un peu mise de côté pour justement choisir différents destins au cours du développement ou même à l'âge adulte. Et il a déjà proposé que certaines mutations des gènes peuvent changer la topologie de ces paysages, donc qui peuvent conduire à une autre voie par la cellule et que si on perturbe l'expression de ces gènes, on peut voir que le destin de la cellule change. Et donc, il a parlé aussi de la plasticité développementale et phénotypique. Donc, il y a des voies alternatives avec le même génotype. On peut avoir différents phénotypes et puis différents épigénotypes. Donc, même si le développement est normalement un processus bien, on va dire, défini, canalisé, il faut, dans certaines espèces, et beaucoup moins chez nous, mais dans d'autres espèces, c'est important de pouvoir choisir un différent destin en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Et ici, je voulais juste vous montrer un exemple d'un de ses papiers. Lui, il travaillait beaucoup sur la drosophile, la mouche drosophile. Il a montré que le développement des ailes est affecté par au moins 30 gènes différents. Et donc, en fait, il a proposé qu'il y a au moins 15 processus différents qui sont affectés par ces différents gènes pour qu'une aile normale soit correctement mise en place. Donc, Waddington avait beaucoup fait, beaucoup réfléchi déjà à l'époque, mais comme je vous avais dit, en fait, cette notion d'épigénétique qui était le lien génotype, phénotype et environnement était un peu mise de côté, mais maintenant, ça revient. Et donc, maintenant, de plus en plus, nous, les épigénéticiens, sommes en train de redéfinir le sens de ce mot. Et on commence à réconcilier toutes ces définitions différentes parce que finalement, les cellules et les organismes doivent stabiliser les réponses phénotypiques à des changements d'environnement. Et effectivement, quand on regarde les modèles sur lesquels les gens ont travaillé, la plupart des modèles sont relativement stables. Les organismes modèles sur lesquels on travaille, en général, ne montrent pas énormément de plasticité phénotypique. Et peut-être pour une bonne raison, c'était perturbant. Enfin, pour les scientifiques qui ont choisi
il y a des décennies ou des siècles de travailler sur des levures, les mouches, etc., c'est une variation trop importante était difficile à cerner. Si l'environnement affectait trop le phénotype attendu, c'était difficile et c'est devenu quasiment impossible de penser à travailler sur ce type d'organisme quand l'ère de la génétique est venue, comme vous allez le voir. Donc, en fait, cette combinaison d'un changement phénotypique qui est induit par l'environnement, mais qui doit quand même être stabilisé une fois que le changement est parti, donc réconcilie, je pense, toutes ces notions différentes de l'épigénétique. Donc voilà, l'épigénétique est quand même bien impliquée dans la formation des phénotypes, que ce soit cellulaire ou à l'échelle de l'organisme, pendant et après le développement. Donc, pour cette biodiversité au sein d'une espèce et même au sein d'un individu, ce que je veux évoquer, c'est cette variation phénotypique avec le même génotype qu'on peut trouver dans une population ou au sein d'un organisme ou au sein d'une espèce. Évoquer cette plasticité phénotypique, on va revenir sur ces termes, et parler un peu de quel type d'influence environnementale et quel type de phénotype on peut retrouver. Donc, Waddington, il avait bien en tête les travaux qui ont eu lieu bien avant lui, qui parlaient déjà des variations phénotypiques et qui étaient des cas très dramatiques, comme chez les papillons, où on voyait qu'en fonction de l'environnement, en fonction de la saison, en fonction de type de prédateurs qui étaient présents, on voyait que les papillons montrent des changements de couleur et de forme sur leurs ailes assez dramatiques. Donc ça, c'était surtout Edward Poulton et Weissman dans le 19e siècle qui ont beaucoup... Enfin, Poulton était très inspiré par les études de Weissman et aussi très inspiré par Darwin. Et donc Poulton avait... étudier ces différentes populations de papillons. Il a trouvé que c'était des espèces spécifiques, même si les formes et les couleurs des ailes souvent étaient très différentes. Il a fait tout un travail pour montrer qu'elles étaient, elles étaient isolées de manière reproductive, donc bien des espèces. Et c'était à une époque où, après la publication l'origine des espèces de Darwin, cette notion d'espèce avait beaucoup de mal à passer. Et Poulton était un fervent supporteur de Darwin et ses écritures sur ça étaient intéressantes. Il a aussi beaucoup échangé avec Wallace, qui était, si vous voulez, le compétiteur de Darwin, qui avait aussi pensé au même schéma d'évolution que Darwin, mais il n'a pas eu autant de succès. Mais en tout cas, Poulton et Wallace avaient aussi échangé. Poulton était conscient aussi que Wallace avait décrit qu'au sein d'une espèce, on avait beaucoup, beaucoup de variations. Et donc, il y avait cette notion de variété qui n'était pas forcément... qui était... très important au sein de certaines espèces et qui était très lié avec l'environnement. Et puis, c'était au début du XXe siècle que Richard Wolterhack a commencé à étudier ces petites espèces de crustacés que je vous avais montrées tout à l'heure, donc les daphnées, et qui peuvent passer d'une forme de reproduction sexuée à une forme de parthénogenèse. Donc, en fait, où c'est... les femelles qui se reproduisent sans reproduction sexuée, donc sans brassage de leur génome, donc c'est des clones. Et donc c'était en étudiant les daphnées que Wolterhack a réalisé à quel point elles sont sensibles à la présence de prédateurs et changent totalement de morphologie. Et donc il a proposé un terme sur lequel je vais revenir dans des cours suivants, qui est le nombre de réactions, reaction norm, pour décrire à quel point le phénotype d'un individu dépend de l'interaction entre son génotype et l'environnement.
Donc, pour deux individus, génotype A et génotype B, en fait, ils montrent à quel point, avec les environnements différents, on a le même type de trait ou pas. Et donc, c'est une manière de mesurer cette variabilité. Et pour le cas des Daphné, ici, vous voyez les deux individus qui sont génétiquement identiques, et vous voyez une forme très différente qui est une sorte de casque qui est produite lorsque la Daphné est exposée à un prédateur. Et quand il y a un prédateur, il y a des signaux chimiques, des molécules qui déclenchent ce changement assez rapidement. Et ces changements, on appelle ça oui, des casques, peuvent même être transmis à la génération suivante. Alors, pour le moment, je ne sais pas si les chercheurs plus récents ont regardé beaucoup plus loin, mais jusqu'à F2, en tout cas, il y a une transmission de cette caractéristique, mais qui est peut-être progressivement perdue après. Donc, à quel point c'est vraiment transgénérationnel ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un système absolument magnifique et les chercheurs qui travaillent avec soulèvent l'utilité de ces petits crustacés pour détecter les toxines dans l'eau, parce qu'on peut induire donc un changement phénotypique très important, comprendre les bases, on va dire les gènes qui sont impliqués et la mémoire cellulaire, donc l'épigénétique. Et puis, c'est peut-être aussi une manière de tester la propreté des eaux, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qui... C'est un modèle, je pense, qui va retrouver un élan dans les années à venir, alors que c'était un peu mis de côté depuis cette époque où elle a été étudiée par Wolterek. Mais donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait cette fascination, les zoologistes, les entomologistes, qui regardaient la variété, la biodiversité, et qui décrivaient de manière très détaillée la forme et le comportement de différents animaux. Mais avec l'ère de la génétique qui est arrivée, en fait, c'était quelque chose qui a été un peu écarté. Et comme je l'ai évoqué déjà dans des cours précédents, il y avait beaucoup de scientifiques comme Weissmann qui voulaient à tout prix prouver que le lamarckisme était faux, qu'il n'y avait pas enfin, ce qu'on appelait le lamarckisme, et qu'il ne pouvait pas avoir cette transmission de changements phénotypiques à la Lamarck. Et donc, en fait, tout ce qui était une diversité phénotypique induite par l'environnement était un peu écarté. Et avec l'arrivée de la génétique, vraiment une focalisation sur les mécanismes génétiques qui peuvent conduire à les différences phénotypiques. Et donc, à l'époque, avant la génétique, quand on parlait de polymorphisme, en grec, polymorphe, ça veut dire plusieurs morphologies. Donc, c'était différents phénotypes. Mais avec l'arrivée de la génétique, ce terme a été tellement associé avec les polymorphismes dans les gènes qui peuvent expliquer les polymorphismes dans la morphologie, donc les changements phénotypiques, que finalement le mot n'a plus été utilisé pour les variants phénotypiques qui ne sont pas dus à un changement génétique, c'est-à-dire au niveau de séquence de l'ADN. Et donc, en fait, on a trouvé d'autres mots. Donc, il y a la plasticité phénotypique. Vous allez voir, il y a le polyphénisme aussi, différents phénotypes, donc polyphénotype, phénisme. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'arrivée de la génétique et la compréhension de l'hérédité via les chromosomes, la découverte de l'ADN, le génotype, finalement, est devenu le programme par lequel le phénotype est mis en place. Donc, ce métaphore est encore été extrêmement puissant et toujours très puissant pour comprendre les bases du développement et d'évolution. Et on trouve toujours des chercheurs qui, en fait, ne veulent pas trop penser à tout ce qui est changement, effectivement, en dehors des changements de la séquence de l'ADN. Mais on va voir qu'il faut quand même y penser.
Donc, l'idée qui est très, très prévalente encore, c'est qu'un génotype va dicter un phénotype. Et puis, on peut vraiment comprendre les caractéristiques d'un organisme juste en regardant la séquence de son ADN. Et donc, le séquençage du génome humain en 2000, je vous l'ai déjà vu plusieurs fois, je pense, pour moi, représente le changement, peut-être l'appréhension de l'homme face à son ADN, avec cette dogme que, effectivement, si on comprend votre ADN, on va comprendre votre ARN et vos protéines, et du coup, toutes vos caractéristiques. Alors que c'était évident qu'on ne pouvait pas vraiment tout comprendre, et on ne comprend toujours pas. Mais il fallait quand même passer à autre chose. Et donc là, je cite, donc c'est le livre de Richard Lewontin, The Triple Helix, où il parle de Sidney Brenner, donc le prix Nobel, qui a même dit, il a prédit qu'un jour, on pourrait effectivement faire une computation d'un organisme. On a juste besoin de deux choses, le génome et des ordinateurs qui peuvent réaliser ça. Donc, je suis assez étonnée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Sidney Brenner, mais peut-être que c'était une blague parce qu'il a aussi un sens d'humour très, très aigu. Mais en tout cas, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui pensent qu'effectivement, on pourrait aller très, très loin juste avec le génome. Mais il y a cette notion de variabilité et surtout d'environnement qu'il ne faut pas oublier. Et donc, comme je l'ai dit, c'était dans ce contexte que le terme épigénétique a ressurgi et est devenu très intéressant, pour, surtout dans le contexte des variations phénotypiques où on sait que le génotype ne change pas, comme les Daphnés, mais vous allez voir plein d'autres exemples aujourd'hui et la semaine prochaine. Et donc, ces phénotypes, comme je l'ai déjà dit, peuvent commencer à être présents avant et pendant, ou même après le développement. Ces changements phénotypiques peuvent être très stables, on appelle ça des morphes, ou plastiques. Et comme je l'ai dit, fonctionnels, inévitables ou accidentels. Donc, pour moi, actuellement, on revit, enfin, on vit une renaissance du mot épigénétique de Waddington dans le sens qu'il avait évoqué. Et ici, je vous montre, en mettant très centré sur les humains, qui n'est peut-être pas... C'est pas mon modèle préféré, j'avoue, mais il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt sur nous-mêmes. Et donc, quels sont les changements environnementaux qui peuvent induire des changements phénotypiques chez nous? Donc, il y a quand même une réalisation que, évidemment, la nutrition, l'exposition à des polluants, fumée, du tabac, tous ces facteurs environnementaux peuvent avoir un impact sur notre physiologie. La question, bien sûr, c'est à quel point ces impacts ne changent pas le génome. Et il y en a beaucoup qui changent quand même le génome, qui induisent des mutations dans l'ADN, comme le tabac, comme les toxines issues des usines et que nous respirons, issues des voitures. Mais il y a aussi des changements qui peuvent être pas forcément au niveau de la séquence d'ADN, mais peuvent être juste l'expression des gènes et les changements au niveau de l'épigénome. Et à quel point, eux, ils peuvent être propagés au cours de la vie, et même à travers les générations. Et il y a aussi cette notion de l'âge, l'âge où il y a eu l'exposition, et puis jusqu'à quel point le changement est conduit au cours de l'âge. Donc, au cours du développement du fœtus et beaucoup plus tard au cours du vieillissement. Et nous savons aussi qu'il y a des changements, des variations au sein d'une cellule, d'un type cellulaire. On peut voir des changements au niveau de phénotype. Ça peut arriver avec des stimulus de type hormonal, mais ça peut aussi arriver dans un contexte, on va dire, non déclenché, mais avec des phénomènes de stochasticité. Et donc, on va parler pas mal aussi de la stochasticité la semaine prochaine. Et donc, tous ces signaux environnementaux peuvent conduire à un changement de l'expression des gènes, un changement de l'épigénome comme la méthylation de l'ADN. Et ces changements peuvent conduire à un changement de fonctionnement de nos cellules ou même, dans certains cas, d'identité cellulaire. Et ici, je vous montre
Beaucoup d'études se sont focalisées sur la méthylation de l'ADN, qui est montrée ici comme ces petits points noirs. Et en fait, l'idée, c'est de les chercheurs qui étudient à l'échelle du génome maintenant l'impact, par exemple, de la nutrition, de l'alcool, du tabac et d'autres types de changements environnementaux. Quel est l'impact sur l'expression de nos gènes et quel est l'impact sur les méthylomes de nos gènes? Et donc, il peut avoir un impact sur l'expression de gènes avec un changement épigénétique ou sans changement épigénétique. Donc, c'est compliqué. Et effectivement, là, il faut quand même des grands ordinateurs pour faire sens de tout ça, parce qu'il faut lier les changements à l'échelle du génome, des changements d'expression des gènes, avec les changements épigénétiques, et voir s'ils sont corrélés, et puis ensuite revenir pour tester des hypothèses. Et bien sûr, tout ça, ça nous intéresse surtout quand il s'agit de l'homme, pour les maladies. On a parlé beaucoup de ça dans les cours que j'ai faits sur le cancer, où on voit qu'effectivement, il y a une évolution épigénétique et génétique qui accompagne l'évolution d'un cancer et à quel point on peut voir effectivement le changement de comportement des cellules qui est lié avec ces changements épigénétiques et qui peuvent être déclenchés justement avec des stress comme l'hypoxie qu'on trouve au sein d'un tumeur. Donc voilà, on est en train de revisiter vraiment cette notion de génotype à phénotype pour réaliser qu'à partir d'un génotype, on peut vraiment avoir plusieurs phénotypes avec une influence importante de l'environnement. Et voilà une manière très schématique de vous montrer ça. Donc, pour un phénotype, bien sûr, l'ADN, la séquence d'ADN est importante. On peut avoir des changements épigénétiques au cours du développement qui sont connus. On peut avoir aussi des événements stochastiques qui ont lieu. Mais maintenant, on réalise qu'on peut avoir aussi l'influence de l'environnement qui fait que nous n'avons pas un phénotype, mais plusieurs phénotypes parfois. Et puis, certains de ces phénotypes peuvent être liés à un état de santé, un état de maladie. Et donc, en fait, il faut maintenant, de plus en plus, on réalise, il faut considérer et les génotypes et l'environnement pour vraiment comprendre quel est le phénotype éventuellement vu. Et donc, je vais revenir sur ces points dans les cours suivants, mais la plupart des modèles au laboratoire, il y a maintenant quelques décennies, ont surtout voulu garder l'environnement fixe avec une variation génétique, parce que le dogme, un génotype, plusieurs phénotypes. Donc, en fait, on réalise que beaucoup d'expériences qui ont été faites ont ignoré cet impact de l'environnement. Même en pensant qu'on a un environnement identique, on peut avoir des variations. Ceux qui travaillent avec les souris savent très bien que d'une animalerie à l'autre, on a des changements de comportement qui peuvent être de physiologie des souris. Donc on peut avoir des différences de phénotypes qui sont liées aux différences de fond génétique de la souris, mais qui sont aussi liées à l'environnement, et ça peut être juste l'animalier qui parle un peu plus ou un peu moins aux souris, la manière qu'il les manie, ou la nourriture qui est donnée. Donc, en fait, maintenant, les gens réalisent qu'il faut vraiment considérer cet aspect environnemental. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a un environnement, c'est environnement ici. Et donc, l'idée, c'est de aussi prendre des êtres, si possible, génétiquement identiques pour uniformiser ça, cet aspect génotype, et ensuite de pouvoir étudier de manière spécifique l'impact de l'environnement, le moment de cet impact, le fenêtre de temps où il y a cette sensibilité à l'environnement, et de voir aussi à quel point les changements stochastiques arrivent et peuvent être plus ou moins fréquents en fonction de l'état environnemental dans lequel se trouve un être, un embryon. Donc, en fait, c'est quelque chose de très important de garder en tête. Tout ce schéma, ce n'est pas juste le génome, ce n'est pas juste les événements stochastiques au cours du développement, c'est aussi le lien avec l'environnement. Et c'est tout ça qui fait les phénotypes divers que nous voyons autour de nous. Donc, les quelques différences entre... au sein d'une espèce. Donc, je vous avais parlé de l'épigénétique développementale. On sait aussi qu'il y a l'épigénétique qui est liée à l'inactivation du X et des phénomènes épigénétiques connus. On va revenir sur ça un tout petit peu la semaine prochaine. Il y a aussi les changements stochastiques d'expression qui sont propagés. Et donc, par exemple, au cours du développement de la mouche drosophile, on voit une expression stochastique qui est mise en place
Et donc, on peut appeler ça aussi épigénétique, puisque finalement, c'est même type cellulaire, mais qui exprime ou pas un certain nombre de gènes. On peut avoir des changements épigénétiques qui sont stochastiques. Par exemple, dans les clones ou chez les jumeaux, on voit qu'il y a des différences épigénétiques qui ont lieu avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et donc ces changements épigénétiques, effectivement, peuvent générer des différences aussi phénotypiques, même si ce n'est pas clair chez l'humain, en tout cas, si ces changements épigénétiques influencent réellement l'expression de nos gènes de manière, on va dire, soit nocif ou soit fonctionnel. Mais en tout cas, il y a clairement une divergence des épigénomes avec l'âge des êtres identiques génétiquement. Et nous avons plusieurs cas, que ce soit chez les mammifères, chez les plantes ou dans d'autres cas, où il y a des variants épigénétiques, où c'est le même génome qui est transmis à travers les générations, mais les changements épigénétiques, les épimutations, on les appelle, sont transmis. Donc j'ai beaucoup parlé de ça il y a 2 ans, où c'est très souvent lié aux éléments répétés, les transposons qui sont soit intacts ou soit fragmentés, mais qui attirent les changements épigénétiques. Il y a même cette notion que peut-être les machineries épigénétiques ont évolué un petit peu comme système de défense contre les transposons, les virus, les rétrovirus, etc. Donc en fait, très souvent, quand on voit un changement épigénétique stable à travers les générations, donc qui est associé à la méthylation de l'ADN ou avec d'autres changements épigénétiques ou marques épigénétiques, c'est très souvent lié à un transposon. Et dans tous les cas que je vous montre ici, effectivement, il y a un transposon ou une partie d'un transposon qui est à côté d'un gène, qui influence l'expression du gène et qui, quand le transposon est méthylé ou pas, va permettre le gène d'être exprimé ou pas. Et donc, et ça, c'est quelque chose qui peut être transmis à travers les générations. Donc ici, vous voyez des phénotypes extrêmement différents, mais qui sont vraiment dus à des changements purement épigénétiques. Donc là, au sein d'une espèce, quelqu'un pourrait très bien dire, ben oui, il s'agit vraiment de deux espèces différentes. Mais maintenant que nous avons bien étudié ça, en regardant la séquence de ces génomes, nous savons qu'il s'agit bien de la même espèce, mais d'une variation phénotypique importante due à l'épigénétique. Donc je vais revenir sur ça au troisième et quatrième coup. Et finalement, il y a aussi toute cette épigénétique programmée environnementalement. Donc, chez les plantes, la vernalisation, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Chez les abeilles, là, on commence à avoir plus d'informations sur la manière que les ouvrières et les abeilles sont différenciées. Je vous rappelle, elles ont probablement le même génome. Bon, bien sûr, les abeilles ne sont pas génétiquement aussi bien caractérisées que d'autres organismes, mais en tout cas, on sait qu'à partir d'une nutrition particulière, d'une larve, on peut générer soit une reine, soit une ouvrière. Et donc, ça, c'est un système qui est clairement une plasticité phénotypique très marquée et où on a quelques connaissances sur les mécanismes épigénétiques. Et les exemples que je vous avais montrés tout à l'heure, où il y a toute une diversité, mais où on ne comprend pas les bases. Donc, la semaine prochaine, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je vais vous parler de cette variation phénotypique au sein d'un individu. Donc là, vous voyez encore ces fameuses tomates, où là, cet état différent, on peut voir qu'il y a une métastabilité, où finalement, le gène est inactif, mais il peut réactiver. Donc, on peut avoir cette variation d'expression des gènes au sein des cellules où il y avait un état épigénétique, mais qui est relâché, ou qui est alternative. Donc, on va parler de tout ça la semaine prochaine, à quel point les organismes sont différents, même s'ils ont le même génome, mais parce qu'ils choisissent différentes stratégies pour exprimer ou pas leurs gènes au sein du même tissu. Et en particulier, je vais vous parler des bactéries qui deviennent de plus en plus des modèles très intéressants de changements stables, clonales, donc épigénétiques d'expression, qui peuvent être très importants pour la manière qu'ils vont aller populer, par exemple, dans un cas d'infection, l'intestin. Et donc, c'est tout un domaine qui est en train d'exploser. Donc, pour revenir sur la plasticité phénotypique,
Et je mentionnais le polyphénisme. Donc, c'était ce domaine qui est un peu, a été mis de côté parce que le dogme de la génétique et du génotype phénotypique. Mais maintenant, on est en train de redécouvrir une croissance dans les publications et les découvertes sur ces différents organismes qui montrent cette plasticité phénotypique. Et surtout, c'est une manière pour certains organismes de gérer leur interaction avec l'environnement, que ce soit avec le climat, les saisons, les prédateurs. Et je ne vais pas en parler cette semaine, mais au dernier cours, à quel point cette plasticité phénotypique est en fait une manière d'adapter. Donc, c'est des caractéristiques qui sont sélectionnées. C'est-à-dire, au cours de l'évolution, la capacité d'être plastique, elle était sélectionnée. C'est quelque chose qui était très controversé, vous allez voir. Mais maintenant, je pense qu'il y a une acceptation qu'effectivement, c'est très avantageux de pouvoir changer de forme, de couleur, d'aspect pour pouvoir survivre dans différents types d'environnements. Donc, on va parler de cette plasticité phénotypique et l'adaptation. Alors, je voulais quand même dire qu'il y a une plasticité phénotypique qu'on voit chez nous qui est évidente, qui peut être totalement réversible. Donc ici, vous voyez les deux états d'un acteur avec ou sans exercice. Donc l'exercice, c'est une manière de vraiment nous changer morphologiquement, physiologiquement, de manière importante. Donc même nous, les humains, nous sommes effectivement bien plastiques à ce niveau-là. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas changer. L'environnement ou notre nutrition n'a pas un impact sur la couleur de nos cheveux, nos yeux ou même... Pour des phénomènes épigénétiques comme l'inactivation du X, on ne peut pas changer l'état de l'inactivation du X en changeant, en faisant de l'exercice ou en mangeant des choses particulières. Donc il y a certaines caractéristiques qui sont effectivement sans doute utiles. Et avoir les muscles quand il faut s'exercer, quand il faut aller chasser, clairement, c'est quelque chose qui a été sélectionné au cours de l'évolution. Donc, on fait l'exercice et les muscles sont bien activés pour changer le phénotype. Donc, voilà, cette plasticité peut être soit passif, elle peut anticiper un changement aussi, un changement, c'est-à-dire par exemple un type de prédateur. Elle peut être instantanée, c'est-à-dire elle vient au moment de l'impact environnemental. Elle peut arriver plus tard. On peut avoir un changement environnemental qui déclenche un changement phénotypique plus tard. Elle peut être en continu, comme dans les insectes sociaux comme les abeilles. Elle peut être discrète, permanente, réversible, enfin voilà, elle peut être tout, mais et tout existe. Tout existe dans la nature. Donc effectivement, dans la biodiversité dont on pense, il faut avoir cette notion de plasticité phénotypique qu'on a beaucoup ignorée, mais qui existe vraiment dans beaucoup, beaucoup d'espèces et qu'il faut maintenant comprendre. Et un point qui est important, c'est que c'est peut-être cette plasticité phénotypique qui pourrait nous aider, nous sauver. Enfin, pas nous, mais les bêtises que nous faisons à notre planète. Parce que dans certains cas, cette plasticité qui a évolué est là pour justement compenser des changements dramatiques du climat dans certaines espèces. Donc il y a des choses qui pourraient être justement compensées par certaines espèces parce qu'elles ont cette capacité d'échanger d'état. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est, même si elles ont cette capacité, ça ne peut pas suffire. Donc ici, je vous montre le cas des lièvres. On appelle ça les snowshoe hares. Donc en fait, ils ont des grosses pattes pour marcher sur la neige. Je pense que c'est surtout au Canada. Et donc les populations naturelles de ces lièvres montrent un changement dramatique entre l'hiver et le printemps. Elles ont un pelage marron le printemps et un pelage blanc l'hiver. Elles changent chaque année. Donc les chercheurs ont étudié sur plusieurs années les dynamiques de ces changements quand elles perdent leur poil marron, elles deviennent blanches, etc. Et elles ont montré que pour le changement de l'hiver au printemps, c'est-à-dire dans ce sens-là, il y a une certaine plasticité. Mais en fonction de la température, mais pas par rapport à la date du changement.
Et il n'y a pas une plasticité, c'est-à-dire c'est toujours au même moment dans ce sens-là, c'est-à-dire du printemps à l'hiver. Donc en fait, ce qui se passe, c'est avec un changement climatique important, on va se retrouver avec des lièvres marrons sur la neige, et bien sûr, c'est tout de suite visible aux prédateurs. Donc en fait, il y a juxtaposition du camouflage avec l'époque. Même si elles ont cette plasticité, ça ne veut pas suffire pour justement leur permettre, avec le réchauffement, de garder leur pelage marron de plus en plus longtemps, malheureusement. Voilà. Mais dans d'autres cas, chez certains poissons, par exemple, on voit qu'il y a une adaptation déjà dans les eaux qui deviennent plus chaudes, il y a une adaptation, une plasticité qui est mise en œuvre pour gérer ces changements. Donc ici, je reviens sur le reaction norm. Je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On va revenir sur ça en détail au cours du troisième cours. Donc c'est le lien entre le génotype et l'environnement, et à quel point il y a une plasticité. S'il n'y a pas de plasticité, avec un génotype, on trouve toujours le même phénotype, peu importe l'environnement. Par contre, s'il y a une plasticité, on voit des courbes différentes, et donc c'est comme ça qu'on peut le mesurer. Et on va parler un petit peu de quel type de mesure et à quel point on peut maintenant faire le lien entre le génotype et le phénotype dans un contexte environnemental donné. Mais il y a beaucoup de questions qui sont maintenant ouvertes et qui restent à attaquer. Comment les organismes intègrent ces signaux environnementaux avec leur information génétique, avec leur génome, pour pouvoir guider ces transformations, que ce soit au cours du développement ou dans un adulte ou à travers les générations? Et à vrai dire, on sait très, très, très peu de choses. C'est justement pour ça que je disais, j'étais un peu déçue parce que moléculairement, les mécanismes ne sont pas très bien connus. Dans certains cas, on commence à voir des notions. Et maintenant, avec la possibilité de vraiment regarder à l'échelle d'un génome et de faire des expériences de manière très quantitative dans des environnements bien contrôlés, je pense que dans les prochaines années ou prochaines décennies, on va comprendre. J'espère pas trop tard pour certaines espèces. Alors, je voulais vous montrer quelques exemples magnifiques où on connaît très peu sur le mécanisme. Enfin, là, en l'occurrence, c'est des changements très rapides qu'on trouve, par exemple, ça c'est le poisson flay, le flounder, on dit, qui change de couleur de sa peau très rapidement, dans quelques minutes. Ici, on le voit, et quand on le met sur une surface un peu différente, vous voyez, il disparaît dans l'espace de quelques minutes, il change complètement. Donc, comment ça marche, ça? Donc, clairement, son génotype n'a pas changé, hein, mais clairement, il arrive à faire cette transformation. Et il y a des chercheurs qui travaillent pour vraiment comprendre ce lien entre la perception de l'environnement, les couleurs et la transformation au niveau de la peau. Pareil pour les calamars. Ici, je vous montre les œufs de coucou. Donc, à chaque fois, c'est un œuf de coucou, on dit ça, coucou ? Oui. Avec les œufs de l'oiseau qu'il a envahi, c'est-à-dire dont le nid a été envahi. Et vous voyez à quel point il y a une correspondance. Je trouve ça impressionnant. Donc, le coucou qui adapte l'œuf qui va sortir pour que ça ne soit pas remarqué par l'oiseau qui couve ses œufs. Donc, en fait, comment ça marche ? Ben, si vous savez, vous me dites, hein, parce que moi, je ne sais pas. Et ici, je vous montre une grenouille. Donc, cette fois-ci, je l'ai écrit, parce qu'à chaque fois, j'ai du mal, quand je vous parle, de me rappeler entre les grenouilles et les crapauds. Donc, voilà. C'est une grenouille qu'on trouve dans l'Équateur, en fait, et qui a été remarquée parce qu'elle change totalement de morphologie en l'espèce de quelques minutes.
elle peut passer de cette sorte de petite monstre avec des pointes dans sa peau à quelque chose de beaucoup plus lisse. Et ici, vous voyez à 0, 50, 90, 150, hein, comment elle peut passer de quelque chose de clairement quelque chose qui fait un peu peur à quelque chose qui fait un peu moins peur. Et donc, bien sûr, on pense que c'est justement pour le camouflage aussi et pour se protéger contre les prédateurs. Mais là aussi, c'était un papier qui était publié en 2015. Je pense que les bases moléculaires sont encore très, très peu connues. Quels sont les signaux? Comment on transforme la peau de cette façon si rapidement? C'est encore inconnu. Alors, il y a des cas aussi où là, c'est au cours du développement, la croissance. Donc là, c'est les chenilles qui, en fonction de ce qu'elles mangent, vont changer leur forme. Donc voilà, ça, c'est la même chenille, mais quand elle est présente sur les feuilles, elle va prendre une forme comme ça. Donc, en fonction de ce qu'elle mange, elle va changer sa surface pour bien se mélanger. Et ici, quand elle n'est pas présente sur les feuilles, alors sur les tiges, vous voyez qu'elle elle mange donc autre chose et ça fait une morphologie qui est totalement différente. Là, c'est pareil, même génotype, totalement différent comme phénotype. Quelles sont les molécules qui déclenchent ce changement ou les signaux et comment en fait c'est mis en place et maintenu? Alors, les papillons, c'est magnifique. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les papillons. Je me disais, si un jour il fallait que je recommence tout, peut-être je travaillerais sur les papillons. Je trouve ça fascinant. Il y a beaucoup de chercheurs en France qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc, je ne vais pas me lancer dans la description. Donc, Sean Carroll, quand il viendra, peut-être il va parler aussi de ce qu'il a fait avec les papillons. Mais ce qui est impressionnant, c'est les phénotypes très différents. L'été, l'hiver, donc ici c'est des femelles, les femelles l'été ou en printemps, vous voyez, même femelle, mais différentes couleurs. Bien sûr, c'est pour s'adapter au paysage, pour attirer les partenaires. Il y a certains types de papillons où, en fonction de la saison, de la pluie, ça peut être soit le mâle, soit la femelle qui va produire des petites taches ronds, parce que c'est soit la femelle qui veut attirer les mâles, ou soit c'est le mâle qui veut attirer les femelles. C'est fascinant comme approche. Donc, le courtship. Ah, comment on dit courtship? Ah, la séduction. Voilà, la séduction est mutuelle, mais en fonction de l'époque de l'année. Et puis justement, les femelles, et en fait, ces papillons ne sont même pas montrés ici, mais les papillons, les femelles qui doivent séduire les mâles à des moments où il n'y a pas beaucoup de pluie, où apparemment la nutrition est moins bonne, elles le font parce que le mâle livre non seulement le sperme au moment de l'accouplement, mais aussi un petit cadeau nutritionnel, la spermatotique. Donc, en fait, c'est impressionnant parce que les femelles, justement, elles veulent s'accoupler avec le mâle, non seulement pour se reproduire, évidemment, mais aussi pour avoir de la nutrition qui va les faire tenir pendant la saison où il y a moins de pluie. Voilà, donc je trouve ça fascinant. Comment on change nos couleurs pour... enfin, là, c'est pas le rouge à lèvres, hein, là, c'est plus fondamental. Alors, il y a aussi les changements beaucoup plus structurels, par exemple, dans la forme de la tête, des gencives. Dans certains poissons, je vais vous parler beaucoup plus des poissons, de certains poissons, les cichlides, en fait, qui sont une variété de différentes d'espèces énormes. Et on pense que, justement, c'est parce qu'il y a eu une plasticité phénotypique qui a été permise qu'après, avec adaptation, avec sélection naturelle, en fait, on arrive à des formes très, très différentes. Mais en tout cas, ici, il ne s'agit pas d'espèces différentes. Dans la même espèce, en fonction de ce que mangent ces anguilles, les premiers nutriments qu'elles mangent vont influencer la forme de leur gencive. Leur crâne, leur mâchoire, voilà, c'est les mâchoires. Et donc, là, les chercheurs ont mesuré ça de manière très précise et ils montrent qu'effectivement, si elles sont en train de manger des petits poissons qui sont plus ou moins durs ou mous, elles changent totalement la forme de mâchoire.
Donc ça, c'est aussi une plasticité qui est bien là pour permettre que peut-être dans des conditions où il y a différentes formes de diète, en fait, il y a une diversité de phénotypes qui peut être mise en place pour qu'elles ne vont pas être en compétition toutes pour les mêmes types de poissons. Donc voilà, ça c'est les cichlides. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais pour vous montrer que dans certaines régions du monde, par exemple dans les lacs en Afrique, comme le lac de Victoria, il y a des centaines et des milliers de formes différentes de ces poissons. Et on pense qu'effectivement, justement, c'est des niches où elles peuvent se nourrir sur différents types de nutrition, et donc sachant elles ont des mâchoires qui peuvent évoluer, qui ont cette plasticité, et il y a une sélection pour différents types de formes, et non seulement de mâchoires, mais aussi de couleurs, etc. Donc on va reparler de ça lors du quatrième cours. Donc je vais terminer en vous parlant un tout petit peu des insectes. Les insectes sont la catégorie la plus diverse qui a le plus de succès peut-être sur notre planète. Il y a des polyphénismes absolument incroyables parmi les insectes. Donc, on a déjà parlé de la drosophile, on a parlé des papillons, mais il y a donc ces insectes sociaux comme les abeilles ou les fourmis. Il y a aussi des insectes qui changent leur forme en fonction de la sélection sexuelle, donc les scarabées. Il y a des changements, comme je l'ai dit, de certaines chenilles et aussi les abeilles par rapport à ce qu'elles mangent. Donc, ça peut être soit développemental, soit plus tardif. Et donc, en fait, toutes ces questions restent ouvertes. Quels sont les changements qui déclenchent ces changements de phénotype? Quels sont les signaux? Quels sont les hormones ou les molécules neurochimiques qui permettent cette transformation? Quelle est la base génétique? Quels sont les gènes? Et quelles sont les bases épigénétiques pour avoir ces formes différentes qui sont ensuite mises en place? Donc, je vais vous parler juste d'un cas aujourd'hui, c'est les criquets à nuages. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces criquets à nuages, mais c'est depuis toujours les catastrophes naturelles énormes qu'elles peuvent déclencher sont connues. Donc, il y a un mot en anglais pour ça, les swarms. En français, il faut dire à nuages, criquets à nuages. C'est les locusts et font des swarms. Donc, en fait, c'est des insectes qui peuvent changer totalement de comportement et de phénotype en fonction de la densité de la population. Donc, elles existent donc dans deux formes, solitaires ou grégaires. Et ces formes solitaires, en fait, peuvent exister seules. Elles n'aiment pas le contact et puis elles vivent leur vie un peu ennuyeuse peut-être, quand même en s'accouplant de temps en temps, mais deux à deux, pas plus. Mais les modélisateurs ont maintenant regardé différentes populations parce que l'impact de ces insectes est tellement énorme qu'il y a beaucoup d'intérêt sur leur manière de fonctionner. Comment on passe de ces insectes solitaires à ces solitaires et timides, à ces êtres qui deviennent des monstres, enfin qui aiment bien partir en masse? En fait, je trouve que l'analogie avec les êtres humains est pas mal. Comment on passe d'un gentil petit garçon à un hooligan qui va partir détruire, manger en masse? Donc voilà, ça c'est une image d'un village en Afrique qui a été envahi par ces criquets. Ils peuvent voler jusqu'à 1000 km. Ils peuvent traverser des océans. Donc, en 1988, il y a eu un nuage qui s'est formé dans le Moyen-Orient et qui a traversé l'Atlantique et est arrivé aux États-Unis. Donc, 500 km en 6 à 10 jours. La taille de ces nuages était énorme. Ça peut couvrir jusqu'à 800 km² avec 40 milliards d'insectes. Donc, quand elles le font, c'est les congrégations apparemment les plus importantes qu'on peut trouver sur Terre. Et
Et donc, elles peuvent avoir jusqu'à 50 millions d'adultes par kilomètre carré quand elles partent. Et c'est impressionnant quand on voit les vidéos de ces insectes arriver. Et même dans une nuage qui est relativement petite, donc de 10 kilomètres carrés, elles peuvent manger jusqu'à 1000 tonnes de végétation par jour. Donc, c'est 600 plus que nous, nous mangeons par jour. Donc, en fait, c'est une consommation énorme qui, bien sûr, doit fournir leur vol vers quoi, on ne sait pas. On pense qu'une des raisons pour lesquelles elles partent en nuage, elles volent toutes dans une direction, c'est parce que c'est la crainte du cannibalisme. Donc, elles se transforment réellement en monstres. Elles passent de ces états solitaires à ces états grégaires et très agressifs. Donc, déjà une sorte de copulation, fornication partout et une tendance à se manger entre elles. Donc, en fait, on pense qu'elles partent toutes en avant pour ne pas être chopées par celle qui est derrière. Enfin, c'est ça que les gens sont en train de modéliser. Ici, je vous montre, voilà, avant et après, quand il y a eu passage de ces criquets. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'est quasiment impossible à contrôler. Parce que détruire tous ces animaux est impossible. Quand ça arrive, en général, elle s'amplifie. Il y a une auto-amplification, c'est-à-dire elle se croise. Il y a de plus en plus d'individus. Et puis, elle change de morphologie progressivement. Elle passe, vous allez voir, de quelque chose d'assez nocif à quelque chose de très agressif avec les générations. Donc, en fait, c'est très difficile à arrêter et ça génère, bien sûr, des famines. Vous avez tous entendu, j'imagine, de famines dans le Moyen-Orient il y a quelques décennies, 1915, Jérusalem, enfin, vous êtes partout. Et ça, c'est quelque chose, je pense que quand on parle de changement de climat, de changement de biodiversité, ce type de phénomène qu'on trouve dans la Bible, en fait, je pense qu'on va le retrouver peut-être de plus en plus souvent. Donc, comment se battre contre ces nuages? Il y a pas mal de tests maintenant avec les drones pour essayer de voir si on peut perturber les nuages. Enfin, bref, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, là, elles sont en train de manger, vous voyez la quantité d'insectes qu'il y a. Et donc, je vais vous parler de comment ça se passe, parce que c'est, même si on ne connaît pas vraiment beaucoup, on connaît plus sur ces espèces que sur pas mal d'autres. Donc ça, c'est la forme solitaire, et ça, c'est la forme grégaire. La forme grégaire peut se déclencher apparemment avec juste trois individus, c'est les modélisateurs qui ont dit ça, que quand on met trois individus ensemble, trop près, on peut déclencher cette transformation. Et donc, en fait, comme il a été dit ici par un des scientifiques qui travaille sur ça, c'est deux animaux dans le même génome qui sont là, un peu Jekyll et Hyde, hein, le Hyde qui peut sortir très rapidement. Et donc, cette transition de phase, on l'appelle, déclenche beaucoup de changements au niveau de la taille. En fait, la forme grégaire est un peu plus petite, de couleur. Vous voyez là les couleurs beaucoup plus prononcées. On voit parfois des rouges, des violets. Enfin, c'est très impressionnant. De physiologie qui est très différente aussi, métabolisme très différente. Elle mange un peu n'importe quoi, des choses même toxiques, des choses que la forme solitaire ne mangera pas. La forme grégaire va manger un peu tout ce qu'elle trouve. Et puis, surtout au niveau du comportement, comme je l'ai dit, un changement radical dans sa manière de se comporter. Ces changements n'arrivent pas toutes au même moment. C'est quelque chose qui maintenant a été bien étudié. La première chose à changer en une heure, c'est le comportement. Elle passe d'un état solitaire où elle cherche à être seule à un état de horde où elle s'agrège et puis elle commence à marcher. Et donc, vous avez vu peut-être les films où on les voit sortir des tapis qui partent et puis après qui commencent à voler. Mais elles n'ont pas changé de forme et couleur dans si peu de temps, en une heure. Mais en une heure, elles changent radicalement de comportement. Et donc, il y a une étude qui a été faite par
Stephen Simpson, le chercheur dont je vous montre ici les images. Donc, il a publié un papier dans Science il y a quelques années où ils ont étudié quel type de changement dans le cerveau si rapide. Et donc, en fait, le fenêtre critique, c'est 1 à 4 heures. Et ils ont regardé quels sont les changements, quels sont les neurotransmetteurs ou autres molécules qui peuvent changer. Et ils ont trouvé que c'est la sérotonine qui est un neurotransmetteur bien connu, qui existe dans nos cerveaux, qui est connu pour nous influencer aussi dans nos humeurs. Les niveaux bas de sérotonine sont souvent liés à la dépression, par exemple, chez l'humain. Et donc, une augmentation dans le niveau de sérotonine qui a lieu dès qu'on déclenche cette grégarisation. Alors, comment on les déclenche? C'est juste, dans certains types de criquets, c'est juste les pattes arrière qui touchent les pattes d'une autre criquet. Juste le fait qu'elles soient trop près, elles se touchent, ça déclenche ce comportement. Dans certains criquets, c'est les pattes arrière, dans d'autres criquets, c'est les antennes. Et comme je l'ai dit, en quelques heures, on voit un changement radical dans le cerveau, dans le type de connexions qui sont faites. Donc il y a plasticité neuronale très importante qui va mettre en place des circuits particuliers. Et donc, ils ont étudié justement ces changements au niveau des neurones qui ont lieu avec le déclenchement, donc quand on passe de ça à ça. Et donc, la sérotonine est clairement impliquée. Comme je l'ai dit, ils ont prouvé que c'est la sérotonine, soit en injectant une forme solitaire avec la sérotonine, et ils voient le changement de comportement, soit en injectant un bloqueur de la sérotonine dans une forme grégaire, et donc ça la reverse en forme solitaire. Donc c'est vraiment la sérotonine qui est impliquée dans ce comportement particulier. Mais ce n'est pas la sérotonine qui est impliquée dans le changement de couleur, par exemple, ou de forme, qui a lieu avec la prochaine génération et qui s'amplifie avec les générations. Et c'est là où peut-être l'épigénétique pourrait être impliquée. Donc on voit aussi un changement dans la morphologie du cerveau. Mais on ne voit pas ça dans les 4 heures, ça c'est aussi progressif. Mais ici vous voyez sous la gauche, c'est le cerveau ou la moitié du cerveau d'un criquet solitaire. Et à droite, c'est la même moitié, mais d'un criquet grégaire. Et vous voyez qu'il y a des différences morphologiques énormes qui ont lieu. Alors à quoi ça correspond, ça aussi on ne sait pas. Mais en tout cas, clairement, dans le cerveau, il y a une plasticité phénotypique énorme. Alors, comme je l'ai dit, ces changements de morphologie, enfin, les changements de couleur, de morphologie, de physiologie, sont progressifs à travers les générations. Et les chercheurs ont trouvé qu'en fait, c'est la mère qui transmet ça à sa progéniture. Et donc une mère solitaire va transmettre un état solitaire à sa progéniture, mais une mère qui est devenue grégaire va transmettre cette grégarité ou grégarisation, voilà, à sa progéniture. Alors comment ça marche? Alors tout de suite, moi, en lisant la littérature, je me suis dit, ah, enfin un peu d'épigénétique, enfin épigénétique dans le sens héritable à travers les générations. Et en fait, oui, on peut dire que c'est l'épigénétique, mais vous allez voir, c'est juste une molécule et ça n'a rien à voir avec la chromatine, en tout cas pas dans la première visu. Donc en fait, déjà, on sait que la mère, si elle est exposée pendant 2 jours à une densité, donc elle devient grégaire au niveau de son comportement, ensuite, plus elle est âgée, plus elle va transmettre son état de grégarisation à sa progéniture. Donc, c'est déjà quelque chose qui augmente avec l'âge de la mère. Et alors, comment ça se passe? En fait, elle pond dans le sable ou dans la terre. Et il a été trouvé qu'au moment où elle pond ses criquets, donc là, vous voyez la criquet qui est en train de pondre ses œufs dans un trou dans la terre ou dans le sable, elle émet une sorte de mousse sur les œufs.
Et dans cette mousse, il y a le produit chimique qui déclenche les changements de grégarisation. Donc, c'est de l'épigénétique, mais via une mousse. Et donc, les chercheurs ont cherché qu'est-ce qu'il y a dans cette mousse qui fait que la progéniture va changer. Donc, ils ont testé que c'est bien là-dedans, en prenant la mousse et en la mettant sous les œufs d'une solitaire et vice-versa. Ils ont montré que c'est vraiment la mousse qui déclenche ça. Donc, c'est soluble à l'eau. Donc, là, je vous montre... ils savent que ça vient de ces glands accessoires, donc elle a les glands spécifiques qui produisent cette mousse. Et donc, cette molécule ne peut agir que quelques heures une fois que l'œuf a été pondu. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a une demi-vie qui est assez courte. Et bah, ici, je vous montre l'aspect que ça a. Donc, ça, c'est la mousse qui a été mise sur les œufs de ce criquet par la mère. Et donc, ici, c'est les expériences où ils ont pris, donc, ils ont regardé le phénotype de la progéniture, soit solitaire, soit grégaire, qui a été exposé ou pas à cette mousse, cet extrait, et ils montrent que c'est bien vraiment juste la mousse qui déclenche ce comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils ont purifié le molécule qui est responsable. Et voilà, pour le moment, voilà où on en est. C'est un analogue de la L-DOPA, encore quelque chose qu'on trouve dans le cerveau. Donc, c'est une forme alkylée. Et à ma connaissance, nous ne savons pas plus. Mais en tout cas, c'est clairement un molécule qui déclenche tout ça et qui est posé par la mère sur ses œufs pour transmettre ce comportement de grégarité. Alors, moi, comme bonne généticienne, je me suis dit, ah, il y a un papier, ils vous ont séquencé les génomes et l'épigénome, donc ils ont tout compris. Non, ils ont séquencé le génome, donc il y a pas mal de choses intéressantes qu'ils ont trouvées. Donc, ils ont pris... les deux formes, solitaire et grégaire, ils ont séquencé le génome et regardé l'épigénome, la méthylation dans les deux formes pour voir s'il y a des différences des marques épigénétiques. Et ils ont regardé bien sûr aussi l'expression des gènes. Ils ont fait les transcriptomes pour voir s'il y a des différences dans les cerveaux ou ailleurs dans le corps. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Alors, ils ont trouvé que dans le génome déjà, qu'est-ce qui est particulier de ces criquets par rapport à d'autres insectes ? Il y a des familles de gènes qui ont été extrêmement amplifiées, qui sont impliquées dans, par exemple, la chémoréceptivité, voilà, la détection des molécules. Donc, c'est peut-être important que ces capacités soient effectivement très diverses et actives pour ce type de changement de phénotype. Aussi, au niveau du métabolisme, il y a beaucoup de gènes impliqués dans le métabolisme qui sont très différents, puisqu'elles changent tellement de types de nutrition dans les deux formes, on peut imaginer qu'elles ont besoin d'une diversité de gènes pour justement gérer ça. Aussi, dans les gènes de détoxification, il y a pas mal de gènes impliqués dans la détoxification qui ont été amplifiés, peut-être justement parce que dans leur forme grégaire, elle mange un peu tout et n'importe quoi, donc il faut détoxifier. Après, quand on regarde dans le génome, ils ont vu aussi un très, très grand nombre d'éléments répétés, beaucoup plus importants qu'attendant. Donc, au moins 60% du génome est fait d'éléments transposables. Et dans ce papier, ils suggèrent qu'en fait, clairement, ce n'est pas éliminé à la vitesse dont on attendrait. Donc, en fait, peut-être qu'il y a une rétention de ces éléments répétés dans le génome. D'où une spéculation, et c'est purement une spéculation de la part des scientifiques qui travaillent sur ces systèmes, et que peut-être c'est ces éléments répétés, ces éléments transposables, qui ont été utilisés pour déclencher une expression totalement différente des gènes pour avoir ce changement radical de phénotype entre les deux formes. C'est quelque chose à creuser. Mais effectivement, un autre groupe a regardé l'expression de ces transposants au cours du développement et on voit qu'il y a un très grand changement dans l'expression de certains transposants pendant cette fenêtre de temps de la transition de phase, quand elle change d'état. Mais ça pourrait aussi être une conséquence d'autres changements. Mais bon.
Donc, ils ont trouvé 90 gènes qui sont différentiellement méthylés entre les deux formes. Donc, peut-être ce sont justement les gènes qui pourraient expliquer les différences entre les deux cas, les gènes qui maintiennent les deux formes différentes, pas forcément les gènes qui sont impliqués dans le déclenchement. Hein, donc, et puis, ils ont trouvé presque 5000 gènes qui sont différentiellement exprimés entre les deux types. Donc, en fait, en regardant la transition entre la forme solitaire et la forme grégaire, ils ont vu qu'il y a une augmentation dans l'expression des gènes qui sont impliqués dans les synapses, donc l'activité neuronale sans doute, le métabolisme des carbohydrates et d'autres activités. Et donc les chercheurs spéculent qu'effectivement, quand on fait ce changement de solitaire à grégaire, peut-être les gènes impliqués dans l'activité neuronale doivent changer pour justement expliquer cette différence de morphologie et de comportement. Et donc ça a été fait en regardant justement les têtes de ces criquets lors de leur changement. Donc il y a pas mal de choses qui sont là à explorer, mais pour le moment, tout ça, c'est des corrélations, des descriptions. En tout cas, voilà le type de schéma qui est maintenant un schéma de travail pour les chercheurs qui travaillent sur ces criquets. Donc pour changer de cette forme à cette forme, on pense que la première chose, c'est effectivement cette perception d'une densité, de foule. Donc dès qu'elle commence à se toucher, il y a ce changement rapide neuronal et de comportement qui est associé avec un changement d'expression génique. Est-ce que là, il y a des changements au niveau de l'épigénétique? Tout ça, c'est totalement spéculatif, mais en tout cas, clairement, il y a des changements qui doivent avoir lieu vu l'étendue de la chose. Donc, en quelques heures, on a des changements de comportement. Au cours d'une vie, on a des changements de coloration et on a aussi des changements au cours de deux ou trois générations. On voit le changement de muscles et de squelette. Donc, elle devient plus petite, plus musclée pour voler, etc. Et il y a une propagation et amplification de cet état via ce facteur qui la forme alkylée d'L-DOPA dont je parlais, via la mère, qui va transmettre à sa progéniture. Et donc c'est pour ça qu'on a ces nuages, comme je disais, qui s'amplifient et qui deviennent de plus en plus importants. Donc il y a une forme d'empreinte et d'épigénétique à travers les générations, mais pour le moment, on ne sait pas du tout s'il s'agit d'influence juste d'expression de certains gènes via cet L-DOPA ou c'est quelque chose qui est peut-être plus lié à des voies de signalisation connues qui sont impliquées dans le développement. Tout ça, c'est à découvrir. L'autre point que je voulais souligner, c'est qu'on a pas mal étudié ces premières heures de changement qui déclenchent tout, mais après, la propagation est moins bien étudiée, sauf que les chercheurs ont trouvé un peptide de juste 6 kilodalton, donc ce tout petit peptide, qui est présent dans des concentrations beaucoup plus importantes chez les grégaires que les solitaires. Et donc, le changement pour revenir dans un état solitaire est beaucoup plus long et on ne le comprend pas, mais on sait que ce peptide est très corrélé avec cette réversion de la forme grégaire à la forme solitaire. Donc voilà, je vous avais déjà parlé des changements d'expression des gènes et de ces éléments transposables. Donc il y a plus que 100 rétroéléments qui semblent être actifs et qui montrent cette expression différentielle quand on passe de cette transition solitaire à grégaire. Donc, l'idée que peut-être, comme je l'avais dit dans mes cours de 2017, que les rétroéléments sont exploités pour des changements d'état, les changements d'expression des gènes ou même le changement des gènes tout court, des protéines. Et donc, ça, c'est, je pense, toute une voie. Là aussi, si je ne travaille pas sur les papillons, je pense que je travaillerai sur les criquets si j'avais à recommencer. Je trouve ça fascinant. En plus, on peut les manger. Voilà. J'ai oublié de le dire. Je n'en ai jamais mangé, mais je lisais justement pour savoir si quand, dans le passé, dans l'histoire, est-ce que finalement, parce que les gens mouraient de faim, il y avait les famines, mais est-ce qu'ils ne mangeaient pas les criquets? Mais c'était tellement horrible, et ça envahissait tout et ça détruisait tout, qu'en fait, les gens n'avaient même pas le temps de faire la cuisine avec les criquets. Voilà, faim pour les criquets.
Et donc là, je vais terminer, mais je vais revenir sur les abeilles et les fourmis au cours de le troisième cours qui est en lien avec l'environnement. Mais je ne pouvais pas ne pas juste les mentionner. Donc elles sont beaucoup plus sages. Elles font quand même les nuages, elles aussi. Hein. Elles peuvent changer de comportement, les abeilles, comme vous le savez sans doute, hein. Et même attaquer, devenir agressives. Mais en tout cas, elles ne sont pas aussi destructrices que les criquets. Voilà un cas où effectivement toute une société est créée grâce au changement de l'environnement, de la nutrition. Et on a compris récemment que ce n'est pas juste la gelée royale qui fait qu'une larve peut devenir une reine, mais aussi la manière que les ouvrières vont être nourries. Et donc elles ne sont pas nourries sur le gelée royale, mais elles sont un mélange entre le miel et le pollen. Et bien sûr, le pollen, ça vient des plantes. Et il y a un papier assez récent qui montre qu'il y a des micro-ARN dans les extraits des plantes qu'on trouve dans ce bee bread, le pain des abeilles, qui contient ces micro-ARN qui peut influencer le comportement de ces ouvrières. Donc il y a deux types de nutrition qui peuvent influencer les phénotypes au cours du développement. Mais il faut que cette nutrition arrive à un moment précis du développement. Et tout de suite, on voit une différence très différente, génotype identique, mais différence déjà dans la vitesse de développement, donc beaucoup plus lent pour les ouvrières, plus court pour les reines. Et puis les reines, elles ont une morphologie qui est quand même assez différente, et puis une longévité beaucoup plus importante, plus que 2 ans. Elles sont fertiles, et puis c'est elles qui vont produire toutes les larves pour la colonie. Les ouvrières, par contre, une vie beaucoup plus courte, beaucoup plus dure, et on pense, enfin on sait maintenant, c'est là aussi, c'est des molécules chimiques, c'est des phéromones qui sont émises par la reine, qui vont continuer à influencer les ouvrières pour qu'elles ne deviennent pas du tout fertiles et influencer aussi leur comportement. Et on sait maintenant que ces phéromones peuvent influencer les facteurs épigénétiques. Donc il y a deux niveaux où les chercheurs étudient les bases moléculaires de ces différences. Au niveau de la nutrition, on pense qu'effectivement la méthylation de l'ADN peut avoir une influence, que les molécules dans la gelée royale peuvent avoir une influence sur la méthylation, mais aussi au niveau des phéromones produites par la reine qui peuvent influencer les niveaux d'expression des méthyltransférases pour l'ADN. Donc la méthylation de l'ADN peut être influencée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va discuter plus au troisième cours, donc les bases moléculaires émises pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que les phéromones sont aussi utilisés par les fourmis, qui ont aussi des sociétés, donc eusociales aussi, avec des reines, qui peuvent être choisies différemment. Mais on voit qu'effectivement, les phéromones peuvent influencer la méthylation de certains insectes dans un sens, mais pas dans d'autres. Donc en fait, le lien entre la méthylation et les phéromones est encore quelque chose assez à explorer. Et voilà. Et les fourmis, on va en parler au troisième cours. C'est fascinant aussi, où on a différents types de fourmis qui choisissent leur reine de manière différente. Et contrairement aux abeilles, la reine, si on retire une reine, d'autres fourmis peuvent devenir des reines. Et comment on choisit une nouvelle reine? Et est-ce qu'elle est aussi bien que l'ancienne reine? Vous allez voir. C'est comme une série, hein? Ah. Donc là, je termine. C'est du petit texte pour ceux qui sont vraiment passionnés. Vous allez lire tout ça online. Mais comme je l'ai dit, j'ai choisi cette thématique. Je me suis dit, je vais regarder maintenant qu'est-ce qu'on sait sur l'épigénétique qui sont associées avec ces transitions de phase. Bon, on a parlé un peu des criquets. Finalement, pour le moment, il n'y a rien de très concret au niveau des bases moléculaires, mis à part la sérotonine pour le comportement et la L-DOPA alkylée pour la transmission à travers les générations. Mais on ne sait pas encore si les marques comme la méthylation de l'ADN sont impliquées.
Pour la Daphné, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, les chercheurs ont joué avec la méthylation, les niveaux de méthylation. Et ils voient qu'effectivement, en traitant avec des drogues qui influencent le niveau de méthylation, ils changent la propagation à travers les générations des changements avec la casque de ces Daphné. Donc, est-ce que c'est parce que vraiment la méthylation de l'ADN est impliquée dans cette propagation ou c'est juste une perturbation plus large? Je pense que ça reste à vérifier. Et puis, chez les abeilles, comme je l'ai dit, il y a certaines indications que la méthylation est importante. On est allé beaucoup plus loin chez les abeilles que dans d'autres insectes et chez les fourmis aussi. On sait qu'en jouant, en perturbant certaines méthyltransférases, on peut avoir des phénotypes qui sont comme une reine. Donc on pense que là, vraiment, la machinerie épigénétique classique, telle qu'on la connaît pour les mammifères, par exemple, pourrait jouer un rôle et on va en parler un peu plus bientôt. Donc là, voilà, pour résumer, ce que je voulais dire, c'est que depuis plus qu'un siècle, on décrit, on regarde la biodiversité au sein des espèces, cette variation phénotypique qui a été regardée, je dirais, avec beaucoup d'intérêt, ensuite avec pas mal de suspicions pendant plusieurs décennies à la phase où le déterminisme génétique a été prévalent. Aujourd'hui, on réalise que beaucoup d'espèces peuvent avoir cette plasticité phénotypique, soit dans des formes, des morphes totalement différents, comme le criquet ou d'autres, ou soit dans un continuum de traits, comme on dit ça, donc soit les insectes du social comme les fourmis, ou d'autres organismes comme certains poissons. Alors cette plasticité phénotypique peut être vraiment fonctionnelle et importante, a été sélectionnée justement parce que ça protège, ça amplifie, ça permet de se propager, mais où ça peut être délétère. Et ça peut être quelque chose qui dure quelques minutes pour toute une vie, ou sur plusieurs générations. Donc, les implications de tout ça pour les théories d'évolution sont très intéressantes. Je ne suis pas évolutionniste, mais en lisant un petit peu les papiers, je réalise que les gens s'énervent encore sur tout ça. Donc, on va révisiter tout ça. Et donc, effectivement, je l'ai dit, la plasticité est sujet à la sélection naturelle, et c'est même pour ça, peut-être, on pense que les insectes sont aussi efficaces sur notre planète, parce qu'elles ont cette capacité remarquable d'avoir des états phénotypiques très différents. Mais comme je l'ai dit, comment on passe d'un génotype à plusieurs phénotypes? Clairement, c'est de l'épigénétique dans le sens woodingtonien, évidemment. Mais à quel point les mécanismes moléculaires, c'est les formes épigénétiques telles que Riggs et Holliday les avaient décrites, on est loin de savoir. Mais peu importe, on est, je pense, là, bien placé pour les comprendre. Donc, je l'ai dit, les génomes, les épigénomes, on peut les regarder, mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut étudier les molécules, les métabolomes aussi, on peut regarder à l'échelle d'une cellule, dans le temps, et puis surtout, maintenant, on peut aller faire de l'ingénierie génétique. Donc, que ce soit le criquet ou que ce soit un poisson, on peut maintenant, avec ces outils CRISPR-Cas9 et autres, aller modifier le génome et dire, ben voilà, puisque ce gène est exprimé tout de suite après pour les criquets, par exemple, quand on touche ses pattes arrière, est-ce que ce gène est vraiment impliqué? Donc, on le délète ou on le surexprime et on peut maintenant tester les hypothèses aussi. Et surtout, pour revenir sur les écosystèmes, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que maintenant, on peut vraiment étudier ces êtres, ces organismes, pas que dans un temps donné ou dans un état donné, dans un environnement donné, mais à travers les générations et en fonction des environnements changeants. Et ça, je trouve ça très excitant, le fait que maintenant, on va pouvoir vraiment comprendre la biodiversité dans un contexte écologique. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va le comprendre assez rapidement? Et ici, je vous montre quelques exemples des écotrons. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien. À Montpellier, par exemple, les écotrons, vous voyez des espaces bien confinés, bien contrôlés pour pouvoir regarder des communautés entières où on peut regarder quel est le degré de variation des individus ou de différentes espèces
dans un environnement donné, changeant. Et donc, il y en a plusieurs partout dans le monde. Et pour moi, je pense que pour les scientifiques qui veulent comprendre la vie, c'est vers ça qu'il faut aller. Voilà, je vous remercie. Et la semaine prochaine, on passe à l'individu.